السلام عليكم الزلفلاون بونجور. Un an déjà. Un an depuis que le coup d'état de l'armée égyptienne a mis fin au seul véritable processus démocratique dans l'histoire de l'Égypte et dans celle du monde arabe, si l'on accepte bien sûr celui qui a eu lieu en 1992 en Algérie et qui a interrompu violemment le processus électoral législatif qui avait donné la victoire aux fils dans des élections dont même le régime qu'ils avaient annulé reconnaîtra qu'elles ont été propres et honnêtes. Algérie, Égypte, même victoire de la mouvance islamiste, même réaction des juntes qui disposent de la réalité du pouvoir. Mais la comparaison ne s'arrête pas là. En Algérie comme en Égypte, les deux armées ne sont fortes que par le soutien que leur apportent des puissances étrangères, même si la nature du soutien est loin d'être la même. Si en Égypte, elle est surtout financière et qu'elle repose sur une soumission totale de l'armée égyptienne à une stratégie globale régionale, dont les principaux chefs d'orchestre sont Israël et les USA, ce qui revient au même en fait. En Algérie, c'est différent. C'est la France qui a la haute main sur les affaires, pour des considérations plus étroites, souvent bassement vénales, dont la nature réelle surprendrait le non-initié, puisque le pays tout entier est livré au pillage le plus débridé, à la seule condition que les intérêts de certains milieux et politiciens français aux dents longues ne soient jamais oubliés. Sous prétexte de contrôler étroitement la plus grande puissance régionale maghrébine, la France a ouvert la boîte de Pandore de la prédation et du saccage. C'est la France qui avait donné son feu vert pour l'interruption du processus électoral en 1992. C'est elle qui avait permis pendant toute une décennie qu'un carnage se commette à huis clos et c'est elle qui, d'étape en étape, a fini par prendre la quasi-totalité des manettes décisionnelles jusqu'à faire réélire effrontément un impotent à la tête du pays, jusqu'à en confier la gérance et la régence aux frères de celui-ci. Beaucoup de points communs donc dans ces sanglants avortements des gestations démocratiques en Algérie et en Égypte, même si les contextes et les objectifs sont très différents les uns des autres. Et dans l'un comme dans l'autre cas, dans l'un comme dans l'autre pays, les coups d'État ont été suivis d'une sanglante répression. En Algérie, après une décennie d'horreur, 200 000 morts plus tard, les mêmes qui ont provoqué la violence ont décidé de siffler la fin de la partie parce que l'embellie financière exigeait le retour de la paix sociale pour que les prédateurs puissent donner libre cours à leur voracité. En Égypte, cela ne fait que commencer. Déjà, un grand nombre de victimes, peut-être des milliers, des dizaines de milliers d'arrestations, des dépassements en tout genre, la torture instituée non seulement en règles d'interrogatoire, mais aussi en méthode de terreur pour faire taire la volonté populaire et l'étouffer. En tout cas, dans l'un et l'autre pays, à quelques semaines d'intervalle, des élections hallucinantes ont eu lieu pour faire élire en Algérie, un homme qui a perdu l'essentiel de ses facultés mentales et physiques, et en Égypte, le dauphin galonné de la Saoudie, d'Israël et des USA. Dans les deux pays, la farce électorale a débordé toutes les limites de l'outrance et du mépris pour les peuples. Demain, l'Algérie commémorera dans la douleur et le deuil le premier anniversaire du coup d'État. Le président élu est toujours en prison. Le mouvement des frères musulmans a été démantelé, proscrit, ses leaders emprisonnés, voire condamnés à mort. Le peuple égyptien a perdu ses repères. Même ceux qui avaient soutenu le coup d'État sont revenus des illusions qu'on leur avait fait miroiter. Ils sont désorientés et ont fini par comprendre qu'ils ont été bernés, grugés, qu'ils sont loin, très loin, de cette démocratie qui leur avait été promise par cela même qu'il avait violenté, comme si des fauves pouvaient accoucher de blanches colombes. Mais l'unité du peuple égyptien
cet élan magnifique de dizaines de millions d'Égyptiens qui avaient balayé le régime de Moubarak ne semble pas près de ressusciter. Au pays du Sphinx, les victoires des peuples ne renaissent pas de leurs cendres. Aujourd'hui, France Info, Égypte, un an après la destitution de Mohamed Morsi. Ensuite, la presse CA, la presse Canada. Égypte, 5 dirigeants islamistes arrêtés avant des manifs pro-Morsi. Jeune Afrique, Égypte, Sisi veut punir les auteurs des attentats. Avec nous, pour parler de ce douloureux anniversaire du coup d'État égyptien, Islam Awad Abdou, président d'un collectif français pour la défense de la démocratie en Égypte, et Benajila Sofiane, militant des droits de l'homme à la Rouad. Monsieur Benajila. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors voilà, nous sommes donc à la veille de la commémoration du premier anniversaire du coup d'État en Égypte. Mm-hmm. Alors, votre sentiment. Heureux que nous, on faisait mieux, parce que c'était une fête, n'est-ce pas? C'était un jour férié, le 19 juin. Nous, c'était pire parce que c'était le 19 juin. C'était une fête. Oui, effectivement. Effectivement, nous, hein? Là, oui, nous, on a commémoré le 19 juin 65 coup d'État. Pendant un certain temps, on l'a fait. Effectivement, hein? On l'a toujours commémoré avec les flanflans et les drapeaux, et etc. Effectivement. Donc, Et la dictature, de toute façon, c'était prévisible. Qui est une dictature après, ça se passe toujours comme ça. Et à savoir maintenant la dictature que ça va engendrer, comment elle va s'appliquer sur le peuple égyptien. Ce qui est bizarre, c'est que même ici, après les élections du 17, ça a été conçu, pris comme ça, sachant que tout le peuple, enfin la majorité n'a pas voté. Donc, c'était sanctionné et le pouvoir, maintenant, il fait la revanche, quoi. C'est exactement, plus masqué. Oui, mais Sofiane Benajila, le coup d'État a été commis dans des conditions atroces, des massacres. On se rappelle bien à Rabea. Alors, en plus le même maréchalissime avait promis qu'il ne se présenterait jamais, qu'il ne visait rien d'autre que de rétablir la sécurité, la démocratie, etc. Enfin, de course, c'est lui qui devient donc le maréchal président. Immédiatement après, ça s'est toujours passé comme ça. Après un coup d'État, il y a eu une répression. Maintenant, sur le plan On vous entend pas très bien. Il semble que vous n'êtes pas dans un endroit où il y ait du champ. Je vous ai dit, les dictatures, après un coup d'État, c'est évident qu'il y a une... Ça va mieux comme ça? Oui, mieux, oui, en effet. Donc, après un coup d'État, c'est normal qu'il y ait une dictature, une répression plutôt, comme celle qui vient de se faire. Ça s'est toujours passé comme ça, comme même avec Napoléon, quand il a fait son coup d'État. Il y a eu un impact économique certain. Maintenant, en Égypte, je ne sais pas comment ça va se passer. Visiblement, il y a découpé. Arabes ou berbères du Maghreb le sont, parce que nous, on ne veut pas de militaires et on ne veut pas de barbus non plus. Benajila Sofiane, on va prendre Monsieur Awad, Islam Awad Abdou, en attendant que vous mettiez dans un endroit où vous ayez plus de champs, parce qu'il y a des coupures. Monsieur Islam Awad Abdou, merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors voilà, je posais la question à l'invité qui vous a précédé. Ce qu'était son sentiment à la veille de ce premier anniversaire, cet anniversaire douloureux du coup d'État en Égypte. Oui, eh bien, bon, demain, ce sera l'anniversaire de ce coup d'État militaire, mais c'est aussi un rendez-vous, le rendez-vous pour une population
qu'ils aient fait voler sa révolution, qui occupera dès demain les rues en Égypte. Il faut savoir que depuis ce coup d'état militaire, la population égyptienne est mobilisée. La mobilisation, certes, a changé. On n'est plus sur, on n'occupe plus des places comme celle de Midan Tahrir parce qu'il y a de gros risques sur le plan de la sécurité. Hein. Les Égyptiens risquent la mort très clairement si aujourd'hui ils manifestent et de façon statique. Mais dans les quartiers populaires en Égypte, de façon quotidienne, vous avez des manifestations contre ce coup d'État militaire. Demain, ce sera un moment fort, ce sera cet anniversaire de cette prise par la force sanguinaire du général Sissi. Le peuple égyptien sera rassemblé et il faut continuer jusqu'à ce que la Mais justice soit rétablie. Islam, nous avons entendu parler de ces attroupements relativement importants, mais pas trop, dans des quartiers en effet. Mais vous pensez que ceux qui ont appelé ça la coordination, ce n'est pas seulement les frères musulmans qui ont appelé, hein, Ah non, non, bien sûr. c'est une coordination qui a appelé à manifester. Mais vous pensez qu'elle puisse encore fédérer après les coups de boutoir du régime? Oui, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, vous avez quelques divergences au sein des rangs révolutionnaires entre les différents groupes révolutionnaires. On sait qu'il y a des divergences entre les jeunes générations et comment dire, et les ténors, si on peut parler comme ça, soit chez les frères musulmans ou chez d'autres partis. Aujourd'hui, il y a des négociations pour qu'un consensus soit trouvé et rapidement réoccuper le terrain. Pour la simple raison, c'est que l'Égypte aujourd'hui vit un désastre, si ce n'est pas politique, économique. Et le peuple égyptien ne peut plus supporter cette situation qui est complètement intenable. Mais vous pensez que la manifestation de demain sera importante? Vous pensez qu'elle sera Je massive? pense que les événements demain seront importants, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne prend pas un rendez-vous avec une révolution. On ne peut pas vous dire aujourd'hui, demain, la révolution en Égypte reprendra de plus belle et demain, tout changera. Non. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a un sentiment très vif au sein des Égyptiens de violation. Le peuple égyptien se sent violé, mais le peuple égyptien en même temps risque la mort. Aujourd'hui, il réfléchit, il sortira très certainement, si ce n'est pas demain, dans les prochains jours, parce que c'est son destin qui est en jeu. Restez avec nous, Islam Aouad Abdou. Je reviens à mon premier invité, Benajila Soufiane. Oui, Ah bien, ben, je suis avec vous. ah, très bien, là on Oui, vous oui. entend mieux. Là on vous entend mieux. Selon vous, vers quoi va s'acheminer l'Égypte après tous les coups de boutoir, toute cette déstabilisation du mouvement des frères musulmans, toutes ces morts, ces condamnations à mort, ces milliers, dizaines de milliers d'arrestations, vous pensez que la société égyptienne a encore la capacité de se ressaisir, de revenir vers Place Tahrir comme elle l'a fait pour Moubarak? Je pense qu'elle n'a pas le choix. Peut-être qu'elle ne va pas le faire de la même façon, mais elle n'a pas le choix. Et c'est une société qui se cherche comme nous. De toute façon, on est dans un dilemme où on parle, mais à l'époque, comment il s'appelle, George Comme avait parlé de concaténation de deux idéologies. Donc, il y en a une, il y a un vide qui se passe entre l'ancienne vision de la société et les aspirations nouvelles des générations ne sont pas du tout les mêmes, quoi. On peut pas, mais dans tout ça, la science exacte, c'est l'économie. C'est Oui. elle qui va dicter l'évolution de la société égyptienne en elle-même. Oui, mais l'économie, vous savez, si tant est que nous puissions relativiser. Actuellement, l'Égypte, elle en est à. Elle ne sait pas comment elle va passer cet été sur le plan énergétique. Donc, elle attend les quelques livraisons de gaz de l'Algérie là, en GNL. Et donc, c'est une crise qui est importante, quoi. C'est pas de la rigolade. Mais Et elle en est là. l'Arabie saoudite a promis quasiment de porter le pays à bout de bras. Ils ont déjà débloqué
dans les 5 milliards de dollars, semble-t-il, ouais, et il ouais, serait disposé ça suffira à pas, mettre le ça sera paquet juste, pour ne pas laisser tomber Sissi, parce qu'ils jouent leur va-tout dans cette affaire. Exactement, exactement. De toute façon, lui, il essaie de se raccrocher un peu partout, hein, là où il peut, l'Afrique, les pays arabes, tout ce qui peut marcher, quoi. Il, les États-Unis, les de... États-Unis, ouais. La Saoudi, les les Émirats arabes, hein, ça, on n'en parle pas, ça, c'est obligatoire, de toute façon. Oui. Ça, c'est obligatoire. Mais, Benazir Asfiane, le problème est que l'économie égyptienne est sous contrôle de l'armée égyptienne à oui. peu près, je n'ai pas les chiffres exacts, à peu près, dit-on, oui, très pas fort, loin de très 50%, fort, entre 40 et 50%, oui. semble-t-il. C'est-à-dire qu'ils ont tout, les trains, les transports, oui. les manufactures, oui. l'agriculture, les transformations alimentaires, l'industrie alimentaire, les salles de spectacle, ils sont un peu partout. Et l'économie égyptienne donc est très dépendante de l'armée égyptienne qui la gère directement et où nulle institution n'a droit de regard. C'est-à-dire que c'est entre eux. Donc ils disposent d'un levier très très important pour la suite des événements, quoi. Oui. Mais est-ce qu'ils vont arriver à générer du développement? C'est ça le. Parce que y a une chose qui est quand même dont il faut tenir compte, c'est la démocratie et disons une certaine horizontalité de la vision de la société. C'est au 16e, 17e siècle et tout, ça a marché. De pair avec l'alphabétisation des gens. Et l'alphabétisation va de pair avec le développement. Et donc, à ce moment-là, s'il y a ce développement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait évolution. Parce que quand il n'y a pas de développement, ça va être la catastrophe, ça va favoriser l'obscurantisme, etc. Oui, mais le... On ne va pas trouver en un coup notre voie des pays qui ont été récemment colonisés, etc., aussi longtemps colonisés, et de cette façon colonisés. Benazir Asfiane, le problème, c'est que l'Égypte est dans la misère depuis très très longtemps, déjà avec tous les régimes précédents. Oui. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les gens sont presque vaccinés contre la misère. Mais le problème qui se pose aujourd'hui en termes de stratégie, j'allais dire, si je peux me permettre un tel terme, c'est que quand l'armée détient le monopole sur 40 à 50% de l'économie, ça veut dire que c'est pratiquement sur 40 à 50% des gens qui travaillent. Ça veut dire elle a barre sur ces gens de façon directe. Les financières, ça s'appelle l'armée. Mais si vous partez aux États-Unis, il y a 400 bonhommes qui ont 90% de l'argent des Américains. Et combien d'Américains vivent au-dessus du seuil de pauvreté, etc. Bon, parmi les sénateurs américains, pratiquement tous sont milliardaires. C'est à peu près la même chose. Et c'est des lois qui votent les lois pour eux. C'est tout. C'est une autre façon, mais c'est toujours la même pression et c'est toujours les. Nous, c'est plus parce que nous, on vit. Nous, c'est l'oppression, quoi. Sfiane Benazila, on vous entend encore plus mal que tout à l'heure. Essayez de vous mettre dans un endroit où il y a un peu de champ. On va vous rappeler dans un petit moment. Islam Awad Abdou. Vous êtes en France, racontez-nous un peu comment vous avez créé ce collectif pour la défense de la démocratie en Égypte. Oui, alors ce collectif est né en fait au lendemain de ce coup d'État, ou même le jour même, le 3 juillet 2013, parce qu'ici en France, vous avez une communauté égyptienne assez importante, donc il était normal qu'elle s'organise et qu'elle aille solliciter ici les instances publiques, les instances politiques pour les avertir parce que dès ce coup d'État engagé, il y avait
comment dire, ce silence médiatique par rapport à ce qui se passait en Égypte. Donc pour nous, notre priorité ici en France était de communiquer sur ce qui se passait, c'était d'établir des liens avec les instances politiques ici pour faire pression sur ce régime militaire et continuer à dire la vérité sur ce qui se passe en Égypte. Et vous réussissez un peu à mobiliser, à faire passer le message? Ah bien sûr, bien sûr. Depuis le coup d'État, nous manifestons de façon hebdomadaire au cœur de Paris. Nous avons rencontré beaucoup de responsables politiques, de journalistes qui sont aujourd'hui sensibles à ce qui se passe, mais qui ne peuvent pas bouger parce qu'il y a aussi de l'autre côté des pressions politiques. Au fond, l'Égypte, il faut savoir qu'elle, le général Sissi, l'armée égyptienne entretient des relations très intimes avec des partenaires qui ne servent pas du tout la cause arabe. Et aujourd'hui, ils travaillent pour leur compte en France, aux États-Unis et partout dans le monde. Et vous allez manifester demain? Demain, bien sûr, demain, notre rendez-vous est pris. Nous manifesterons au centre de Paris et puis également la semaine prochaine et les semaines qui suivront jusqu'à la chute du coup d'État militaire. Alors, justement, c'est l'occasion pour vous qui êtes sur antenne de lancer un appel et préciser aux gens au centre de Paris où exactement, à quelle heure, etc. C'est l'occasion pour vous de lancer un appel à ceux que vous Oui, vouliez qui vous alors rejoignent. demain, nous manifesterons. Alors nous attendons toujours la confirmation de la préfecture. On manifestera normalement en place de la République. On ira jusqu'à Châtelet à partir de 17 h. À partir de 17 h, de la place de la Voilà. République à Châtelet. Place de la République à Paris, direction Châtelet, à partir de 17 h. De toute façon, les membres et les sympathisants du collectif ont la possibilité de se rendre sur Internet, sur Facebook, et de vérifier ces informations sur la page du collectif Démocratie en Égypte. Eh ben, essayez donc de nous envoyer des images si vous le pouvez. Nous n'aurons personne malheureusement demain sur place. Essayez vous-même de nous envoyer des images que nous ferons un devoir de relayer. Merci beaucoup Islam Aouad Abdo, en espérant vous revoir bientôt pour faire le point avec vous. Merci, au revoir. Je reviens à Ben Agila Sofiane. Oui. J'espère que cette fois-ci, votre téléphone ne va pas nous refaire des siennes. Alors, monsieur Ben Agila Sofiane, pour l'Algérie comme pour l'Égypte, les processus ont été à peu près similaires. Et aujourd'hui, les deux peuples sont pris en otage, ils n'ont plus rien à dire. Ça se passe en dehors d'eux, au-dessus d'eux, voire même ça se passe en dehors de leur pays. Ce sont maintenant des puissances extra-supranationales qui décident de nos sorts réciproques. Dites-moi, comment voyez-vous l'avenir pour l'Algérie comme pour l'Égypte? Bon, il y a tout, on a peur de. Il y a une grande incertitude face à un futur, disons, inconnu. C'est une nouvelle expérience. Et puis, il y a ici, le facteur humain, il prend toute son ampleur en tant qu'ethnie, langue, religion. Donc, est-ce qu'on va avoir. Monsieur, il a signalé tout à l'heure, il a dit, c'est des gens qui travaillent, qui défendent les intérêts de leur peuple. Nous, le problème, c'est que pour l'instant, nous, ils défendent pas l'intérêt de notre peuple. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire que le pouvoir défend ses propres intérêts tout court, au détriment des intérêts du peuple. Et ça marche pas. C'est ça la grande différence. Là, c'est l'impasse, quoi. Nous, pour nous, ça serait l'impasse. Tant qu'on continue comme ça, bon, on est devant le mur, hein, on Il n'y n'est a pas passé pas par au mur. l'espoir, il n'y a pas l'espoir d'un sursaut, d'une lame de fond qui se lèverait du fond des tréfonds populaires pour balayer ces régimes. Il y a la menace grande du chômage.
qui est invincible, celle-là, pour l'instant. On arrive avec rien qu'en diplômé, on a 120 000 diplômés qui arrivent chaque année sur le marché. Il faut avoir un taux de croissance de plus de 7% pour absorber ce chômage, ce qui est une utopie dans la situation où on est. Et donc il y a ça, il y a la paupérisation. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, le copain Taramban qui touche 8% de la population, plutôt 21% de la population, 8 millions d'habitants, qui ça ne cesse de grandir. On va de plus en plus, il n'y a aucun, et on ne voit pas, vous avez vu après le 10 juin, entre, si on peut appeler ça, l'opposition et nos élites, c'est un dialogue de sourds. Oui. Le pays, le pouvoir n'est pas du tout prêt à discuter, il ne veut pas discuter, quoi. Et donc, d'où un papier que j'avais écrit à l'époque, l'armée interviendra tôt ou tard, si ça continue comme ça. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, pour l'Algérie comme pour l'Égypte, il faut presque souhaiter que ça se passe mal économiquement pour que le peuple puisse se réveiller, quoi. Nous en sommes là. Ça se passe très mal. Ça veut dire s'il n'y a pas, si l'embellie financière continue, par exemple pour l'Algérie, si l'embellie pétrolière et gazière continue, ça va continuer comme ça jusqu'à la fin des temps, quoi. Jusqu'à la fin du pétrole. On est en pleine dépression par rapport au pire. On ne peut même pas augmenter notre production de gaz et tout. Elle est en diminution. De l'autre côté, on a une consommation qui n'arrête pas d'augmenter. On est à plus de 12% de consommation. Et alors que la moyenne mondiale est à 2% de croissance, et un jour ou l'autre, on ne pourra plus pouvoir combler rien que nos besoins. On ne pourra pas. Sofiane Benazila. Sofiane Benazila. Nous venons de finir. L'émission est arrivée à son terme, malheureusement. D'accord. J'espère vous retrouver bientôt. Merci. C'est moi. C'est moi. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Nous sommes tenus par des marges horaires très strictes. Merci beaucoup. Demain sera le premier anniversaire, la première commémoration du coup d'État en Égypte. Nous tenons à saluer le peuple égyptien. Nous tenons à saluer le président égyptien élu. Sur ce, l'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Salam alaikum, Azul Fellaoun, à demain.